Une année au collège, mon frère, il faisait justement, il parlait de la guerre 14-18. Donc le professeur d'histoire dit, écoutez, vous demandez à vos grands-parents s'ils ont des médailles, s'ils peuvent nous les prêter, comme ça on va les montrer, et puis on en parle. Donc mon frère, il dit à mon père, au fait, papa, voilà, en histoire, on fait la Grande Guerre, et le professeur, il demande si nos grands-parents, ils ont des médailles. Et mon père, il dit, ben oui, ton grand-père, il a une médaille pour acte de bravoure, mais il n'a pas dit laquelle. Et puis mon frère, il s'est ramené avec cette médaille à l'école, et là, il s'est vu prendre 3 jours dehors pour justement avoir ramené cette médaille au collège. Et c'est à partir de ce moment-là que mon père a dit, terminé, on parle plus de la croix de guerre, on la range, et vous n'en parlez plus. Il a fait la guerre à Verdun avec les Allemands. Après la Grande Guerre de 14-18, il est reparti d'abord en Pologne pour revenir travailler après dans les mines françaises, comme tous les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Et mes parents sont français. Mon père est français. Mais il n'était pas bon de dire qu'on avait un grand-père. Non, non. C'était comme ça, il fallait pas. On était traités de salboches. Ah, donc ça, c'est la croix de fer allemande Oui. de 14, oui. Qui a été remise pour acte de bravoure pour mon grand-père. Donc vous avez le certificat qui est malheureusement plus en très bon état. Donc plutôt que ça traîne dans un fond de tiroir ou que ça parte plus tard à la poubelle, je préfère m'en séparer en sachant où ça va aller. Et j'ai choisi ce musée-là parce que mon mari est natif d'Ablain. Voilà, donc je vous en fais cadeau. Merci, ça vous en fait cadeau au musée. Au musée. Voilà, merci, 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 merci.